Bonjour et bienvenue sur la chaîne Geekophone avec un petit, je sais pas, cette vidéo on la mettra dans la playlist atelier du Geekophone, on verra bien. En tout cas, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque, eh bien, puisque c'est un témoignage que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire un coming out, voilà. Donc face caméra, je regarde la caméra et je vous dis que j'ai non, je n'ai pas tué des chatons. J'ai testé pour vous un coach alimentaire en ligne. Voilà, vous avez le droit de rigoler. Très bien. Alors, comment ça m'est arrivé et pourquoi je l'ai fait? C'est carrément, c'est pas venu de moi, c'est qu'on me l'a proposé par des connaissances. Pour tester en fait un site et un service, on m'a proposé de tester un coach alimentaire pendant je sais pas combien de temps d'ailleurs, ça fait déjà un mois. Puis des plats, 14 plats cuisinés avec des recettes Joël Robuchon et tout. Déjà là, ça. Même si c'est pas trop mon truc, les plats cuisinés à la base. J'aime vraiment pas ça, je trouve que ça a tout à le même goût, donc pas emballé plus que ça, mais je dis je connais la personne, j'ai confiance, je dis bah écoute, moi j'adore tester des trucs, et si le profil correspond, je le fais avec plaisir. Et puis peut-être que ça va m'aider, que ça va marcher, ou je sais pas quoi. Enfin, ça. Donc voilà. Donc le site s'appelle Très Bien Merci, donc je ne suis pas payé pour vous le dire, je le fais vraiment parce que bah, c'est une copine qui m'a permis de le faire, mais je ne connais pas ces gens, donc je vais être très très sincère, je vais vous dire ce que je pense en tout cas de ce premier mois, plutôt positif, hein. Bilan plutôt pas mal, mais moi ça me fait marrer de pouvoir dire j'ai testé un coach alimentaire en ligne. Alors voilà, en geekophone, c'est en geek, même si c'est un terme un peu galvaudé, il y a du geek un peu partout, mais bon, j'ai plus de 40 berges, je passe un peu mon temps derrière un écran ou assis sur un ordinateur, ou etc. Donc c'est pas le truc le plus actif qu'il soit, entre deux parties de Hearthstone et des séries américaines. Non, je fais pas que ça, mais enfin bon, je travaille aussi. Et donc il y avait cette proposition-là. Bon, moi je pensais que ça se résumait avec des plats et puis peut-être un petit bilan diététique. Bon, j'imaginais pas ce qui allait se passer. Donc un jour je reçois un beau courrier avec un code qui me redirige sur le site de trèsbienmerci.fr. Donc on va aller faire un petit tour sur ce site. D'ailleurs tout de suite, je passe en mode navigation. Voilà. Je vérifie quand même si on est bien en mode. Ouais, c'est ça. Donc voilà le site. Voilà, c'est plutôt couleur chatoyante, plutôt accueillant. On n'est pas dans une clinique. On n'est pas malade. Et alors je sais pas si je vais faire une. J'ai bien expliqué la promotion. Enfin, le service, c'est quoi? C'est du coaching. C'est 59 euros par mois avec 3 mois d'engagement. Donc c'est 100, je sais pas combien. Enfin, faites le calcul. On a deux rendez-vous par mois avec une diététicienne. Le premier, c'est un bilan qui dure 30 minutes. Après, il y a un programme qui est fait sur mesure. Donc là, on voit qu'il y a trois noms, en tout cas, qui font référence sur. En tout cas, la nutrition, le goût, l'alimentation, enfin les recettes, et Véronique Rousseau, championne d'Europe par équipe de judo. Voilà. Donc ça, c'est on va dire les valeurs un peu d'accroche. Ça, c'est voilà, ce sont les plats cuisinés. Et par où, alors comment ça se passe? Et moi j'ai eu la chance donc j'ai la chance d'avoir le coaching et d'avoir les 14 plats cuisinés frais à livrer à la maison. Premièrement, on remplit un questionnaire assez
assez riche, assez complet sur soi, sur comment on est. On se mesure et tout pour savoir la masse corporelle, masse musculaire, le poids, la taille et tout machin, qu'on retrouve après dans le tableau de bord. D'ailleurs, il y avait des petits bugs moi sur mon, puisque c'est vraiment c'est récent, hein. Des petits bugs, donc j'ai appelé le numéro, j'ai eu quelqu'un en ligne qui m'a ensuite fait rappeler par un technicien. On a regardé les trucs, effectivement, des problèmes. Sympa, super accueil. Truc, bah voilà, c'est même. Même et en fait non, le questionnaire est vraiment riche voire lourd, hein. Faut vraiment le faire sérieusement. Après le rendez-vous téléphonique bilan avec une diététicienne et tout machin, ça fait un peu. Et voilà, et c'est vrai que dans le profil, bon, j'en retirerai 2 3 mois après, mais dans le profil, moi je fais pas spécialement, voilà, je suis pas obèse. Je suis un peu grassouillé du bidon, mais je suis pas obèse, donc je serais pas allé voir un médecin pour dire, ah, faut absolument mettre en place un truc après rendez-vous chez quelqu'un. Voilà, ça m'aurait saoulé, donc pas du tout le profil pour ça. Et là, les petits objectifs qu'on se donne, et puis surtout le coaching alimentaire, c'est-à-dire que la personne va dire, bah, alors que vous mangez ci, il faudrait peut-être un peu réduire ça, etc. Moi, typiquement, c'était les tartines de miel beurrées le matin. Je n'en mangeais pas assez des tartines, mais avec beaucoup trop de beurre et trop de miel. Voilà, je suis un ours. Je suis un ours. Je pourrais vivre dans un pot de miel. Voilà, faut jouer le jeu, faut avoir envie. Et c'est vrai que ça tombait bien. Ouais, il fait beau, c'est l'été. On a envie de, voilà, on a envie de rentrer dans son maillot. Mais bon, c'est pas l'objectif du tout, c'était pas ça. Mais j'allais en plus reprendre une activité un peu sportive parce que mal au dos, tout ça, voilà, pour tout vous dire. Donc c'était un petit coup de pied au cul, on va dire, gentil, quoi. C'est même pas un coup de pied, c'est un peu exagéré de dire ça, mais soi-même, on essaye de se donner des fois des coups de pied aux fesses. Et là, on a rendez-vous avec soi-même, mais avec quelqu'un. Alors, on a des comptes à rendre. Et c'est quand on a des comptes à rendre, on fait des choses. Moi, si j'ai pas de compte à rendre, je fais rien. Vous êtes pareil, je suis sûr. Ah ouais, il faudrait que je fasse de la piscine. Ah, il faudrait que je cours. Ah ouais, ça ferait bien le yoga, c'est super. Oh là là, c'est vrai que ça serait bien que je mange moins gras. Bon. Donc voilà, donc entre deux parties de jeux vidéo et de séries américaines ou de je sais pas quoi. Manger sain, équilibré ou retrouver un truc, hein. Ça peut aider. Alors le prix, bah franchement, je sais pas. Je trouve pas ça si cher que ça. Je dis pas ça parce que je vous le dis encore, c'est offert, je suis testeur, je suis invité. Je vous dirai à la fin si je suis prêt à payer, parce que du coup ça va me faire un petit retour sur le truc. Ça fait 1 mois donc j'ai commencé. Donc premier bilan, donc il y a le tableau de bord ici qui est un peu notre fiche d'identité. Donc là vous allez rentrer dans mon intimité, attention. Hein, même si je fais ça vite, voilà, je suis un grand gars. Je suis un grand gars. Pas spécialement. Alors, il y a des trucs que j'ai mis au pif, il faudra que je me mesure quand même. Enfin, le tour de ventre, là, franchement, je sais pas. Donc là, c'est l'outil. On a des outils pour communiquer en permanence avec les coachs. On peut dire, bah aujourd'hui, je me sens comme ça. Alors moi, aujourd'hui, je me sens comme ça. Je clique sur le petit truc. Bravo, gardez votre belle énergie. Voilà, c'est un petit peu la méthode Coué. Mais c'est, moi, je suis un grand fervent de la méthode Coué. Hein. Et on n'en fait pas des caisses. Alors il y a des petites coupes qu'on peut gagner, des choses comme ça, des progressions. Ouais, je pense qu'on est poussé à faire des choses, puis à avoir des récompenses. Bon, j'ai pas poussé ça à fond. Donc premier entretien téléphonique, une fois qu'on a fait notre questionnaire à fond, avec l'étude alimentaire, ce qu'on mange et tout. Donc ça, une fois que c'est bien rentré.
Là, on voit ici que j'ai mes rendez-vous avec ma diététicienne favorite qui m'était désignée, Héloïse, qui est super sympa, super professionnelle, super à l'écoute. Et donc, premier bilan, ça dure 30 minutes. On parle de tout, donc de mes fameuses tartines, de machin, de mes dû, des objectifs. Alors, hop, on essaie de dire, bon, bah d'accord, je vais mettre un peu moins de miel sur mes tartines, je vais essayer de manger des légumes que je mangeais déjà, mais si, voilà, puis on se rend compte finalement qu'il y a des choses, voilà, féculents le soir. Le soir, c'est pas terrible. Ah bon, mais moi je mange, je fais que ça, des féculents le soir. Et le lendemain, pourtant, on court pas un marathon. Donc voilà. Donc il y a des choses comme ça, les produits laitiers, les calories. Premier bilan. Après ce bilan, je reçois un petit code magique pour recevoir mes plats, puisque j'ai accepté de recevoir les plats. En même temps, je venais là un peu pour ça, pour tester. Et les plats sont arrivés, 14 plats cuisiniers frais, emballés donc dans un carton, enfin, dans une pochette, comme si on pouvait prendre une pochette pour aller, genre une pochette McDo en papier, joli. Par contre, à l'intérieur, c'est du Joël Robuchon, en tout cas, c'est ce qui est marqué. Et là, franchement, j'étais agréablement surpris parce que j'aime pas du tout, comme je disais, les plats cuisinés. J'aime pas ça. J'aime pas sortir des trucs d'un machin et c'est tout mélangé déjà. J'aime pas ça. Ça me fait pas du tout envie. Là, en réchauffant du poisson, des Saint-Jacques, à je sais pas quoi, des trucs, voilà, des portions correctes. Poisson, de la viande avec des mélanges et des goûts super bons. Je crois qu'il y a un truc que j'ai le moins bien aimé. C'était. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. Mais c'était plutôt du goût personnel que je disais, tiens, ça, c'est pas le truc que j'adore, que j'ai mangé, qui avait bon goût, mais voilà. Mais sinon, il y a des trucs qui étaient franchement très bons. Donc, bah bravo. J'étais un peu surpris. Agréablement. Chouette. Donc voilà, j'ai tout mangé là, ça fait un mois. J'en mangeais le midi ou le soir, selon. Ensuite, j'ai eu ma deuxième, 15 jours plus tard, ma deuxième suivie, ce qui dure 15 minutes avec la coach diététicienne. Et on a repris un rendez-vous pour, ben voilà, pour le 3 juillet. Donc on se fait appeler, c'est voilà, sur le téléphone mobile, par exemple. Et on suit ses objectifs, et puis on se redonne des petits objectifs pour la suite, et on fait des points, et puis on pose des questions, après on a des réponses. Par courrier via le site. Ce qui est bien aussi, c'est ce que j'ai pas fait, si je l'ai fait un petit peu quand même, c'est qu'on peut mettre exactement les ingrédients de ce qu'on mange par jour, donc faut le faire comme de temps en temps. Ça se passe où? C'est mon alimentation. Non, c'était pas là, c'est dans le. C'est là que je trouve que c'est pas toujours évident de naviguer mes outils. Voilà, mes outils. Faut juste s'y faire. Mes outils, donc on peut dire voilà, ici je mange, j'ai mangé ce matin, c'était de tartine. Est-ce que j'arrive à écrire? Tartine, non, pas du tout ça en fait. Donc c'est du pain. Du pain comment? Bah, du pain aux céréales, pas de mie, non, du pain baguette aux céréales, voilà. Dans la portion, bah, on met, je vais manger 1, 2, 3, 4. On a les calories qui arrivent derrière. Derrière sur ces tartines, j'ai mis quoi? J'ai mis quand même du miel, j'ai pas mis de beurre. Ouais, j'ai carrément viré le beurre, moi. Si j'enlève du beurre, non, c'est rien. J'ai viré le beurre. De temps en temps, je mange un peu de beurre, mais. Donc du miel, voilà. Combien? Bah, je sais pas, 20 grammes, je sais pas. Franchement, cuillère à café. Allez, on va dire que j'ai pris 2 cuillères à café sur mes 4 tartines. Ça peut, ouais, ça doit être ça. Donc me voilà dans mes. Ça, c'était le petit déj, etc. Est-ce que j'ai pris du jus d'orange? Oui, absolument. Alors ça, c'est parce que j'ai déjà pris du jus d'orange qu'on me le propose. Donc ça, c'est bien, comme je l'avais mis précédemment. C'était non sucré, voilà. Donc voilà le petit déj du Maxwello. La matinée, est-ce que j'ai pris une pomme? Non. Le déjeuner, ben, j'ai mangé au boulot. C'était du veau. Alors du veau comment? C'était une espèce de je sais pas quoi. Comme de la blanquette. C'était
comme de la banquette, mais c'était pas un plat préparé. Donc voilà, donc on met, on va pas s'attarder là-dessus, mais donc l'outil est là, l'outil fonctionne sur Android ou sur iPhone, donc en application. L'application est bien foutue, elle ne demande pas des droits non plus complètement incongrus quand on l'installe, donc j'apprécie ça aussi. Là, il y a des, je pense qu'ils améliorent au fur et à mesure parce que les plats vont être rajoutés ou les ingrédients, etc. Ça marche plutôt bien. Franchement, ça marche plutôt bien. Petit bémol, enfin petit bémol. La navigation, je trouve pas tout tout de suite. Moi. Voilà. Mais bon, je suis comme tout le monde quand je trouve pas tout tout de suite. Mais ça, bon, après, c'est vraiment une question de goût. L'équipe est très très sympa. Et puis voilà, donc c'est un bon, je sais pas, ça peut être un bon outil, un bon. Voilà, c'est pas gratuit, mais le service c'est pas gratuit. Derrière, on échange, on vend pas votre profil, donc de temps en temps, faut payer. Est-ce que je paierai? Ouais, je pense que je paierai. C'est-à-dire que il n'est pas impossible qu'un jour, pour si je veux vraiment me mettre dans un truc comme j'ai fait là, mais c'est un service, ça me va. C'est dans mon profil, ça marche. Ça marche. Je me vois pas faire autre chose. Mais là, avoir rendez-vous avec son appli. Et puis avec quelqu'un au téléphone, un vrai humain qui nous dit bonjour, et qui nous dit au revoir, et qui nous dit à la prochaine fois, bon courage, bravo, tout ça, machin. Voilà, c'est un coach. Non, sympa. Et les plats, non mais les plats sont bons, hein. Alors, c'est pas bio. Je pense que ça serait encore plus cher si c'était bio. Ils ont dû, je sais pas, ils ont peut-être dû y penser quand est-ce qu'on fait des trucs bio, pas bio, mais alors, ça va être quand même un peu cher. Est-ce qu'on va pas dépasser la barrière psychologique du prix, etc. Je ne sais pas. Après, pour l'activité physique, c'est pareil, on peut mettre son activité physique, ses plans d'activité. Donc par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on dépense et ce qu'on fait, ouais, on a ses petits rendez-vous. Donc on peut vraiment passer sa vie là-dessus. C'est pas mal, rendez-vous avec soi-même pour un petit coaching. Non, non, bien vu, franchement, bien vu. Je leur souhaite vraiment le meilleur. Et puis les plats étaient bons. Est-ce que je recommanderais? Peut-être que je me ferais ça de temps en temps. C'est un petit soutien. Enfin, je trouve que voilà, c'est un soutien. On va pas se nourrir que des plats à 100, 100, 164 euros, etc. qui sont très bons. C'est sûr que c'est plus cher qu'un plat Carrefour. À 2,50 € le truc avec plein de sel, etc. Là, c'est vraiment bien équilibré. C'est très bon. Je me suis pas lassé, c'était varié. Une fois par an, se faire un petit truc comme ça, c'est pas pire, je trouve, comme disent nos amis québécois. Donc voilà, on va revenir sur ma gueule. Donc. Bah, moi je valide, c'est-à-dire que je trouve ça pas mal, vraiment bien même. Moi ça m'a fait marrer parce que j'ai jamais fait ça. Et ça m'a aidé, ouais, ça m'a aidé. Je suis persuadé que ça m'a aidé dans ma petite remise en forme. Et me dire que j'avais quelqu'un, en tout cas à rendre des comptes avec moi, mais avec une diététicienne qu'on n'a pas envie de décevoir. Enfin, c'est drôle en fait, cette relation, quelqu'un qu'on. Connais pas à la base et puis on a rendez-vous avec quelqu'un. Voilà. Je pense que les. Après, je sais pas si on a, si on est très malade, si on est diabétique, etc. Ben, il faut le dire dans le questionnaire. Et est-ce que là, on est suivi parce que là, c'est quand même plutôt lourd. Je suis pas sûr que ça soit le profil adapté. Mais là, le quarantenaire un peu qui mange des pizzas devant son ordinateur. Là, ça parle là, forcément. Mais puis plutôt bien. Voilà, donc moi je valide. Et puis bah essayez si le cœur vous en dit. Et puis bah, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. C'était les aventures diététiques du Maxwello. Ciao ciao!